Donc on se retrouve là. Du coup j'ai coupé parce qu'il y avait plein de trucs. Donc là, le magazine, c'est Youssa. Donc c'était du coup un quiz pour savoir si tu pourrais être la best friend de Lenny Kim. Donc à chaque fois, enfin là j'en ai préparé plein, mais je vais recouper la vidéo après parce que. Du coup, c'est pas tout affiché. Là, pareil, c'est un quiz, c'est pour tu faire battre son cœur. Donc, c'est encore une star. Donc là, c'est saurais-tu faire craquer? Donc, ici. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plein de magazines. Donc, du coup. C'est cool parce que je pense que c'était des photos prises par un professionnel. Donc après, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez. Ensuite, voilà. Donc là, je vais garder les trucs près de moi. Comme ça, je saurai du coup si. Il y a des magazines du coup j'aurais où d'où viennent les posters. Donc là, je vais pas regarder s'il y avait un poster. Donc là, j'ai posé mon truc. Comme ça, je saurai si y a des posters qui viennent de chez eux. Mais qu'il y en a que je sais pas d'où ils viennent. Donc pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est Closerteen, donc c'est une écriture différente. Ça c'est la fin de son concert. Donc pour l'instant. On voit pas d'où viennent les posters. C'était à Demain nous appartient. Donc même là. Là, c'est les figurines au musée Grévin. C'est marqué, j'espère que les gens m'aiment. Pour les fans de Lenny Kim, c'est plutôt évident. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini de mettre ce qui est resté. Donc là, c'est du meuf. Ils font ce qu'ils appellent des interro-écrites. Donc, c'est le chanteur qui écrit du coup toutes les réponses. D'habitude, c'est celui qui fait le magazine qui crée tout. Donc là, tu viens de trouver un poster. Donc c'est celui du. Hop. Donc là, on va le mettre là. Donc. Donc, j'en étais. Celui-là, c'est un des derniers. On va le mettre là. Là, c'est ce qu'ils appellent du coup un album photo, ce qui passe sur les réseaux sociaux. Donc,
Donc là, ça n'a rien à grandir, donc on s'en fout un tout petit peu. Donc j'achète les magazines à chaque fois que le nid apparaît dedans. Donc là, c'est ça. Donc là, il y a encore un album photo. Donc là, il est beaucoup plus jeune. Ensuite, là, ça parle plus de sa tournée. Là, c'est un magazine assez différent, c'est Swag Série. Donc en magazine, j'achète que cela. Donc j'achète pas tout ce qui est autre magazine quoi. Ensuite là c'est encore un album photo mais plus de son voyage je sais plus si c'était mais je suis en train... ouais, c'est en Californie donc il l'avait fait avec son père le voyage donc là il en restait juste deux. Je voulais pas ouvrir directement parce que c'était un magazine spécial donc c'est écrit Trinity Star qui le fait. Du coup, il parle plus de Lenny Kim. Donc là, déjà, dès qu'on ouvre, on voit ça. Ensuite, c'est les grosses interviews. Donc là, c'est lourd. Je vais voir s'il y en a d'autres. Donc en attendant. Je vais voir si je peux poser mon truc. Mais je crois que c'est avec ces deux pages. J'ai un autre problème. Donc. Je l'ai mis aussi là. Donc c'est les fans de Lenny Kim. Ensuite là il avait mis quelques dates. Donc là il avait mis date supplémentaire. Donc je suis en train de regarder. Je crois qu'il n'avait pas encore mis Clermont-Ferrand sur la deuxième date. Ah si là. Donc c'est là normalement je devais le voir mais il a report. Enfin il a annulé du coup je vais à Lyon. Donc là je suis en train de feuilleter parce que ils ont mis des interviews mais je sais pas. Donc aujourd'hui c'est une grosse vidéo. Je trouve assez cool ce qu'ils ont fait en bas. Donc là c'est descendant. Enfin, du coup tout le monde aime pas forcément ça. Donc là il y en a encore, c'est un quiz. Donc là c'est lourd. Donc là ça doit être fini. Donc là en dehors je vais vous montrer du coup les seuls magazines. J'ai des magazines The Voice que j'avais acheté ben, pour les premiers The Voice. Donc sinon j'adore les youtubeurs Swan et Nemo. Donc c'était le premier truc.
Après, ils ont sorti trois magazines KE. J'ai acheté que le deuxième parce que le premier, je l'avais pas trouvé. Donc, ils ont fait un livre d'activité. Donc, ils font des choses assez cool. Enfin, là, c'est un magazine sur Noël. Donc, on voit du coup leur liste d'anniversaire. Enfin, de Noël. Donc, ça, c'est le père et la mère. Donc, je sais pas si. Donc, il y a des jeux. Il y a des albums photos. Du coup, on les voit petits. Il y a leur slam, leur vidéo, quoi. Donc, celui-là, il est sorti le Noël dernier. Donc, ils font des trucs. Et je sais pas si, du coup, on verra les posters. Voilà, c'est ça. Donc ça, celui-là, je l'affiche pour Noël. Donc vous verrez à chaque fois mes décos de Noël. Les vidéos sont prévues. Et ça, c'est mon dernier magazine qui est sorti, donc le 3. Donc c'était sur l'été. Donc du coup, il y a des quiz. Ensuite, il y avait encore des magazines. Donc là, on voit le magazine de Noël. Celui qui est sorti, je sais pas si. Ah, c'est celui-là. Que j'ai pas. Du coup, ils ont sorti des agendas. Et là, ils ont sorti un jeu de cartes. Et des posters. Donc. Là, cette vidéo est déjà terminée. Donc, vous voyez une tonne de piles. Là, il y en a aussi par terre. Ensuite, ici, il y a plein de posters. Et là, c'est un bazar. Donc, j'avais mis un petit drap. Des USA.